Le tribunal militaire de Yaoundé a tranché aujourd'hui, après 8 mois de procès, un des leaders des séparatistes de la minorité anglophone du Cameroun et 9 de ses partisans ont été condamnés à la perpétuité pour terrorisme et sécession. Julius Ayouk Tabé s'était autoproclamé président de l'Ambazonie, l'État que les indépendantistes veulent fonder. Leurs avocats ont qualifié le procès de parodie de justice, alors que l'ONG International Crisis Group craint que le jugement envenime le conflit déjà meurtrier dans les régions anglophones du pays. De Yaoundé, le compte-rendu d'Emmanuel Junenta. Aux alentours du tribunal militaire de Yaoundé, les avocats des leaders séparatistes anglophones sont sous le coup du verdict rendu contre leurs clients ce matin. Ils doivent être condamnés à vie. C'est ce qu'on connaît, pas qu'on ne connaissait pas. Nous connaissons ça et nous disons ils ont vite allé en besoin sans toutefois suivre la procédure normale. Nous disons c'est le braquage judiciaire, c'est le cinéma. À Yaoundé, la condamnation à vie des leaders séparatistes ne laisse pas indifférents les Camerounais, comme ici au centre administratif. L'État du Cameroun a usé d'un pouvoir qui, sauf erreur de ma part, est le sien, celui de préserver l'intégrité du territoire camerounais. Il est anormal, au regard de la Constitution, qu'un individu, qui qu'il fût, au jour d'aujourd'hui, prétende diviser le territoire camerounais. Et là, à ce niveau, je donnerai entièrement raison au gouvernement camerounais. L'État, en tant qu'organe suprême, pouvait comprendre ces gens-là, les amener sur la table de discussion et voir pourquoi ils ont décidé de partir de ce pays. Pour cet homme politique et militant du parti au pouvoir, le verdict de la justice n'exclut pas une résolution de la crise par le dialogue. Le président de la République dispose d'un certain nombre d'outils que lui confère la Constitution pour ensuite apaiser la situation parce que c'est le vœu de tous les Camerounais. Les avocats des leaders séparatistes anglophones ont annoncé faire appel du verdict rendu ce mardi au tribunal militaire de Yaoundé. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé. Au Burkina Faso, l'opposition réclame la démission du gouvernement au lendemain de l'attaque qui a frappé la base militaire de Koutougou dans le nord du pays. Le dernier bilan fait état de 24 morts, 7 blessés, 5 disparus. Il s'agit de l'assaut le plus meurtrier jamais subi par l'armée burkinabé dans sa confrontation avec les groupes djihadistes depuis 2015. Le parti UPC est d'avis que le gouvernement de Christophe Dabiré a complètement échoué. Le mouvement demande au président Roch Kabore de nommer une nouvelle équipe pour défendre l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des Burkinabés, dit-il. De Ouagadougou, d'autres réactions dans ce micro-trottoir réalisé par Tramine Traoré. Le gouvernement doit fournir encore plus d'efforts pour sauver la vie de ses militaires et pour booster ces terroristes hors de nos frontières. Parce qu'on est fatigué de ce qui se passe. Nous sommes déçus, nous sommes inquiets, nous avons peur de la situation parce que ce sont nos frères FDS qui tombent tous les jours. Ceux qui sont tombés, ils ont des familles. Donc, sans mentir, nous sommes vraiment inquiets, beaucoup inquiets en ce qui concerne la situation de sécurité de notre pays. Actuellement, il y a deux options. Soit on va à la guerre comme à la guerre, soit on va aux négociations. Il est temps que le président du Faso s'assume. Parce que quand il a, après les élections, il a promis et juré de sécuriser le territoire et de protéger le peuple burkinabé. Pour moi, il est très important qu'il s'assume dès maintenant et qu'il arrête ses conseils de défense inutiles. Nous, nous pouvons dire que ça peut arriver à n'importe quelle armée du monde. Et ça dépend de la situation. Quand vous avez des terroristes qui se confondent à la population, et je pense que tout pays est arrivé. Et c'est vrai que nous déplorons ce qui s'est passé. Mais premièrement, l'on doit se poser la question, voir qu'est-ce que les gouvernants n'ont pas prévu pour essayer de renforcer les FDS. La volonté politique y est.
400 ans après l'arrivée des premiers Africains en Virginie, l'esclavage demeure un chapitre sombre de l'histoire américaine. La traite négrière transatlantique impliquait l'achat des esclaves par des Européens et leur transport vers l'Amérique. Ceux qui ont survécu à ce voyage horrible étaient destinés à une vie de servitude envers leur maître blanc. Ce crime contre l'humanité a duré plus de deux siècles. Chris Simpkins de la VOA décrit l'impact de la traite négrière, c'est ce qui allait devenir la Nouvelle-Amérique. C'est là où ça se trouve, non ? Oui, ici, le cimetière de la famille de Wolfe. Voici la tombe de James de Wolfe. Il est difficile d'exprimer beaucoup de compassion pour quelqu'un qui s'est engagé dans le commerce des esclaves à un niveau aussi élevé. James de Wolfe Perry fait référence à l'un de ses arrière-grands-pères enterré ici à Bristol, dans le Rhode Island. Katrina Brown, sa cousine, est également une descendante directe de la famille de Wolfe. James de Wolfe et sa famille élargie ont amené plus de 12 000 esclaves africains à travers le passage du milieu. Il est probablement la raison de l'existence d'environ un demi-million de personnes aujourd'hui dans les Amériques, descendants de ceux qui ont traversé la mer sur leurs navires. Le passage du milieu fait référence au voyage en mer des navires d'Afrique de l'Ouest aux Antilles. L'une des grandes ironies de Rhode Island est le fait qu'après avoir établi le principe de la liberté religieuse, nous nous sommes lancés dans l'esclavage des êtres humains et la traite négrière. Et même les églises étaient impliquées. L'église en particulier dans le Rhode Island tirait directement profit du commerce des esclaves. Et de manière plus directe, elle possédait des esclaves. Nous avions des esclaves appartenant aux organisations missionnaires créées par les églises ici aux États-Unis. Kate Stokes, historien de Newport, a déclaré que les marchands de Rhode Island avaient payé pour que des navires transportent plus de 100 000 esclaves dans le Nouveau Monde. Des documents évoquent l'existence entre 1705 et 1805 d'au moins 900 navires négriers qui partaient de Rhode Island vers l'Afrique de l'Ouest en passant par les Antilles pour revenir au Rhode Island. Cela s'appelait le commerce triangulaire. Ils avaient des usines de fabrication de rhum à Bristol, Rhode Island, et ils emmenaient le rhum principalement ainsi que d'autres produits sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest pour l'échanger contre des hommes, des femmes et des enfants qui ont ensuite été ramenés pour être vendus aux enchères, soit dans les Caraïbes, soit dans le sud des États-Unis, dans des ports comme Charleston en Caroline du Sud. Le commerce des esclaves est devenu un pilier de l'économie américaine. James de Wolfe a lourdement investi dans les usines de textile qui transformaient le coton en vêtements, alimentant ainsi la révolution industrielle américaine. C'est à moi que revient la tâche de m'approprier cette histoire familiale, la connaître, parler de ce que notre famille a fait et aider d'autres personnes à établir des liens avec les autres familles descendants d'esclaves. Il est l'heure maintenant de vous proposer la rubrique hebdomadaire de l'économie, comme chaque mardi. Et ce soir, nous retrouvons Eric Manirakiza. Bonsoir Eric. Bonsoir Jacques. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Alors vous ouvrez avec la dernière grande messe de la SADC, le bloc régional, la communauté de développement d'Afrique australe. Un environnement favorable pour un développement industriel inclusif et durable, une augmentation des échanges interrégionaux et la création d'emplois. C'est le sujet de ce 39e sommet de la SADC qui a réuni plus de 1000 délégués à Dar es Salaam en Tanzanie. Selon la BAD, qui a déjà injecté 13 milliards de dollars en Afrique australe depuis 2012, l'avenir s'annonce meilleur pour les pays de la SADC. Chemins de fer régionaux, chaînes de valeur stimulant la compétitivité, zones agro-industrielles spéciales transformant l'agriculture et créant des millions d'emplois. Pôle de production d'électricité régionaux pour résoudre le défi énergétique. L'Afrique ne doit pas manquer d'ambition, a dit le président de la BAD en marge de ce sommet qui a approuvé plusieurs protocoles suivants. En tant que région, la SADC doit assumer un rôle fondamental en veillant à la mise en place d'un système efficace de facilitation et de suivi du commerce intra-régional
et des transactions commerciales transfrontalières en vue d'accroître le commerce intra-régional tout en cernant les défis et en élaborant des stratégies et solutions durables. Tous les États membres de la SADC sont tenus de continuer à investir davantage dans leurs infrastructures car le manque d'infrastructures fiables et adéquates a entravé notre développement économique sur notre continent africain, y compris notre région, la SADC. Et nous avons convenu de veiller à améliorer nos politiques économiques et monétaires dans nos pays respectifs afin de créer un environnement propice à la croissance économique de notre région. La SADC s'est aussi engagée à soutenir d'une même voix le Zimbabwe pour obtenir la levée de ses sanctions. Et pour renforcer cette action, Jacques, la communauté compte sur l'appui d'autres blocs régionaux. La Banque africaine de développement qui promet un avenir radieux donc, Eric, mais prévient en même temps le risque du ralentissement de la croissance. Ce risque est lié aux différends commerciaux entre Washington et Pékin, les deux plus grandes économies du monde, Jacques. Cette guerre a ébranlé les marchés mondiaux et inquiété les investisseurs. À cela s'ajoute l'incertitude du Brexit, de l'avis des économistes. Une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord pourrait sérieusement perturber les flux commerciaux. Si les chocs externes et mondiaux s'accéléraient, la BAD pourrait revoir ses prévisions de croissance économique pour l'Afrique. La demande d'importation de la Chine a considérablement chuté. La capacité industrielle a chuté de manière significative, ce qui a touché les produits et matières premières en provenance d'Afrique. Cette situation pourrait donc avoir un effet d'entraînement sur les économies, notamment sur le plan de l'aide publique au développement et sur le plan des investissements en Afrique. Pour atténuer l'impact des chocs externes, la BAD encourage le renforcement des échanges commerciaux entre Africains et ajouter de la valeur aux produits agricoles. Jacques. Merci bien Eric Manirakiza. Vous revenez mardi prochain ? D'accord, fait, allez-y. Vous merci. Allez, mais allez nous Bonne parler, journée. On va parler, vous connaissez évidemment l'importance des ports hein, dans l'économie des pays. Quoi. Ouais, hein. Sans accès à la mer, c'est un problème sérieux. Absolument, absolument. Alors, nous partons à la découverte du port de Durban en Afrique du Sud. C'est le premier port d'Afrique subsaharienne, le troisième de tout le continent africain. Mais le port de Durban sature, victime du dynamisme économique de Johannesburg, la plus grande ville du pays. Un projet d'agrandissement a été entamé il y a 6 ans. Asma Botmi-Clark fait le point. C'est dans le port de Durban que ce nouveau porte-container dévoile son nom. La Mediterranean Shipping Company, entreprise de transport maritime italienne, a choisi de baptiser son nouveau navire à Durban, et pour cause. La MSC avec le Sud-Afrique, on a vraiment un rapport très qui vient de très loin et il est très fort ce rapport. La MSC, on peut dire, a commencé à devenir plus grand grâce au Sud-Afrique. Avec ses 4 millions d'habitants, Durban n'est que la troisième ville d'Afrique du Sud, mais c'est le premier port du pays. 30 millions de tonnes de marchandises y circulent chaque année et en font le plus gros nœud d'Afrique subsaharienne. Avec un trafic de containers qui augmente de 8% par an, le port de Durban est aujourd'hui saturé. Nous venons d'atteindre notre capacité dans de nombreux terminaux du port. Il est donc très important d'agrandir le port de Durban et nous avons l'intention de le faire. Nous voulons continuer à être une passerelle pour l'Afrique et l'Afrique du Sud en particulier. Un projet de construction d'un deuxième port, Durban 2, a été lancé en 2013. L'idée est d'utiliser les 400 hectares de l'ancien aéroport de la ville. Mais la résolution au coût faramineux de 7 milliards de dollars est actuellement gelée. En attendant les travaux de ce gigantesque projet qui ferait de Durban le premier port d'Afrique, ce dernier se classe troisième derrière Tanger et Port Saïd. Asma Botmi-Clark, pour VOA Afrique, Durban. Yacouba Ouedraogo nous rejoint pour l'habituel tour d'horizon de l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Pas de match amical pour le Sénégal, pendant que la plupart de leurs confrères africains disputeront des matchs amicaux à l'occasion de la date FIFA prévue en septembre. Les Lions de la Teranga, eux, en seront dispensés. Et d'après la Fédération sénégalaise de football, cette décision permettra d'éviter une surcharge de compétition et facilitera une meilleure récupération en vue des compétitions internationales à venir.
L'instance nationale du foot sénégalais a ajouté que des dispositions sont en train d'être prises pour que l'équipe nationale puisse reprendre les matchs amicaux de préparation lors des dates FIFA d'octobre prochain, avant le début en novembre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Pendant ce temps, Paul Put rejette les accusations de corruption en Guinée. Accusé de corruption et radié à vie de toute activité liée au ballon rond en Guinée par la Fédération guinéenne de foot, Paul Put a nié toutes les accusations portées contre sa personne. « Je n'ai jamais, au grand jamais, racketté qui que ce soit, ni un joueur, ni un membre de mon staff. Tout est faux, archi-faux », a déclaré le technicien belge dans des propos relayés par BBC Afrique. L'ancien sélectionneur du Burkina Faso exige que des excuses publiques lui soient présentées, car, dit-il, son image a été ternie par cette affaire. Et puis, cette triste nouvelle, Manchester United condamne des injures racistes contre Paul Pogba. Manu se dit dégoûté par les insultes proférées sur les réseaux sociaux contre l'international français d'origine guinéenne après son pénalty manqué face à Wolverhampton. Paul Pogba est le troisième joueur en Angleterre victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux la semaine dernière pour avoir manqué un pénalty après le jeune attaquant anglais de Chelsea, Tammy Abraham, et l'ancien joueur de Sochaux, Yakub Meïté, qui évolue aujourd'hui en D2 anglaise avec Reading. Et pour finir, regardez ceci. C'est un maillot que portait l'ancien président Barack Obama lorsqu'il avait 18 ans et était en classe de terminale à Hawaï. Il a été adjugé ce maillot-là à 120 000 $ lors d'une vente aux enchères ici au Texas. Voilà, Jacques, vous pouvez essayer avec votre costume. Peut-être que ça va marcher. Ouais, j'espère bien, Yakuba. Merci, Yakuba. À demain. Cap maintenant sur Bukavu, en République démocratique du Congo. La ville vient d'abriter la deuxième édition de la FIAC. Comprenez, la Foire internationale des arts et de la créativité. L'événement s'est achevé avant-hier, après une semaine de festivités, l'occasion pour les artistes locaux de se mettre en valeur, comme nous le dit notre correspondant Ernest Mouhiro. C'est sur un podium installé au collège Alpha Djiri que des artistes ont fait leurs prestations durant toute la semaine. Acrobates, chanteurs, danseurs et humoristes se sont succédés devant un public en extase. Des stands ont aussi été dressés pour des expositions d'œuvres d'art, de paniers, bricoles, dessins, peintures et autres objets. Un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est une semaine de folie où les artistes se rencontrent entre eux et partagent des idées et font une collaboration sur le même plateau. C'est un projet qu'on a conçu pour la promotion des arts produit localement. Un moment qui mobilise la population autour des talents locaux et ceux venus de Goma et du Burundi voisin à travers des lives, des concours de danse, poésie et défilés de mode. Ce que moi j'ai donné, c'est le meilleur de moi-même. La musique pygmée, on l'a mélangée avec la musique R&B et ça a donné une autre couleur qu'on a présentée sur scène. Avec ces cadres, l'artiste est en train de se vendre. Toutes ses forces, nous devons les mettre ensemble pour que le Congo avance. C'est donc sur ce plancher que l'art a éclaté dans toute sa dimension. Ernest Mouhiro, Bukavu, pour VOA Afrique. Et voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. À demain. Merci.